Et salut à tous et à toutes, c'est Tutor Simulation. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Farming Simulator 15. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle série sur Belgique Profonde V3, en compagnie de Benoît. Salut à tous. Donc on est parti sur une carrière non cheatée et semi-RP, on va dire. On va essayer, hein. Je vous garantis rien encore. Donc bon visionnage à tous et à la prochaine. Hop, et là. Ah, ça y est, on arrive. On arrive enfin à la ferme. Ça doit être là, il me semble, d'après ce qu'on m'a dit. Hop, et là. Hop, on va se garer là, tiens. Hop, et là. Bon, bah, c'est bien. Bon, on va visiter un peu parce que je viens de l'acheter, la ferme. On a un beau petit plateau, là. Belle petite presse. Oh, commence à vieillir un peu celle-là. Bon allez, on est parti. On va continuer un peu à visiter parce que j'ai pas encore vu tout. On a la petite pailleuse ici. Ouais, pas mal. Je vois qu'on a un coq, hein, bien entendu. Il y a quoi d'autre? Ah ouais. Petite charrue. Pas mal. 5 socs. Ouais, pas mal. On a un petit semoir avec un petit déchaînoir. Ah ouais, franchement, il est bien. Ah ouais, on a quand même pas mal de matos. Hein. Faucheuse, cultivateur, fameuse. Ah, il y a un tracteur là. Ça y est, on voit déjà le premier. Ah ouais, il a l'air en panne en fait. Bon, ça commence bien, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas eu pour très cher la ferme, donc à mon avis, il fallait pas s'attendre à du neuf. Hein. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, il me l'avait dit, il était prêt pour la moisson, le monsieur qui me l'a vendu avant qu'il ait le drame. De son petit C15 là, c'est sympa. Un petit Renault avec une petite benne orange. La corne avec un international, ouais, pas mal. Et puis mon quoi d'autre, un endémeur. Bon, bah je pense que je vais appeler Benoît. Attendez. Ouais, je vais l'appeler pour qu'il m'aide à la moisson parce que je pense qu'on va commencer, on a pris beaucoup de retard. Je viens de l'acheter. Hop, donc je l'appelle. Oui, allô? Ouais, ouais, Benoît. Ouais, ouais. Dis, je viens d'acheter une ferme là à quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps et je me suis dit si tu pourrais venir m'aider pour la moisson, s'il te plaît. Parce qu'il me manque quelqu'un. Ouais, pas de problème. Ok, bah viens tranquillement, mais je sais pas. Ok, pas de soucis. Bon, je t'attends, hein, je vais faire la révision vite fait. Ouais, je suis là tout de suite. Bye. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Pop. Bon, pendant ce temps-là, on va voir si la bête fonctionne. J'espère ça, parce que on n'a pas les moyens de racheter une moissonneuse. Enfin. Bon, bah, ça démarre les jeux. Pas mal, ça fonctionne. On va descendre un peu parce que je l'entends Benoît au loin, il me semble. Ça va pas tarder, à mon avis. Okay. Pour continuer un peu à visiter, ouais, franchement, c'est pas mal. Bon, après, on va ragencer ça à notre goût, mais. Un problème. Ah ben voilà. Hop et là. Donc on va les moissonner. On est vraiment en retard parce que les orges, le gars il avait commencé, la personne d'avant, mais il l'a pas encore fini et franchement on aurait dû déjà les finir depuis longtemps.
Bon, c'est pas grave. Ouais, salut. Salut. Ça va? Ouais. Ok, bon bah on est parti. Elle est pas mal ta ferme. Ouais, franchement, ouais. Je viens de l'acheter, il y a pas. Enfin là. Et puis franchement, elle est pas trop mal, ça va, on va dire. Tout fonctionne, tout est en bon état. Normalement, tu sais, on peut avoir quelques surprises. On aura sûrement quelques surprises pendant. Découvrir tout ça parce que franchement il y a déjà 3 tracteurs, hein. C'est pas mal, mais ah, on va voir ça par la suite, on va découvrir ça tout doucement. Oui, on verra tout ça. Bon bah je vais prendre, je vais te guider, je vais prendre le petit C15 là pour te guider en, je vais te mettre devant toi, tu prends la moissonneuse et puis on est parti, tu vas me suivre et puis voilà. Okay. Bon, déjà ça démarre. Hop. Tac. Hop, un petit gyrophon. Attends. Voilà. Je te laisse manœuvrer. Hop. De toute façon, on a le temps. Mais... Il est à peine 1 heure. On a le temps, on va commencer tout doucement en début d'après-midi parce que. Hop, et là. Je vais mettre par là. Voilà, c'est parti. Hop. Bon, bah, on est parti. Moi, je suis assez content. Franchement, elle marche bien. Enfin, elle est bien, cette ferme. Et puis, ce petit C15-là, il marche du tonnerre. Increvable, ce machin-là. Se mettre là. Et là, je vais même pas regarder la moissonneuse si elle a un problème ou quoi. Hop. Bon, il y a Benoît. Hein. Je vais vous le dire. Hein. C'est un ami, mais il n'est pas fermé, donc soyez clément. Bon, ça va, tu t'en sors. Bon, il m'entend pas, bien sûr, mais bon. Il a l'air de s'en sortir. Oui, ça a l'air. Allez, c'est reparti. Hop. De toute façon, on a le temps. Allez, c'est parti. Bon, on va ramener le tracteur après, je vais aller le reprendre et puis. On va déjà déposer la moissonneuse. Hop, et là. Allez, hop, c'est parti. Ou c'est des passages. Attention, ça peut pas. Je connais pas trop le coin, mais bon. Bon, ça va, on n'est pas loin. Hop. Allez, c'est parti. Je vais le mettre là. Je vais le laisser manœuvrer pour bien se mettre. Puis on va la laisser là pour l'instant. On va aller chercher le tracteur. Là, la bête. Bon, c'est une vieille moissonneuse, hein, mais bon, franchement, elle est bien. Hop, et... je vais me bouger un petit peu. Là, je devrais être pas mal. Hop, et là. Ah, je vais gêner, je pense. Je pense que je vais gêner. Mais bon. Je sais pas s'il l'accroche tout de suite. Ouais, remarque, ce sera fait. Tac. Je vais me mettre là et je vais attendre. Il m'entend pas, mais je vais essayer de le guider un peu parce que c'est pas très facile souvent d'accrocher. Vas-y, je fais un peu de signe parce que sinon, vas-y,
Encore un peu. Vous êtes pas mal. Ouais. Ouais, ouvre ta porte. Attends, parce que j'espère que marche la barre de coupe déjà. Parce que j'ai l'impression que c'est un problème déjà. Mais bon, on va faire avec, hein, on va bien y arriver. J'ai l'impression que la marche arrière ne passe pas. Attends, on va voir. J'espère qu'il... Sinon, il va descendre me le dire s'il y a un problème. Ouais, à mon avis. Ouais. J'ai un problème, j'arrive pas à retirer la barre de coupe. Ah merde, putain. Je me suis mis en pente et du coup, j'arrive pas à reculer. Ouais, en effet. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'on comment on pourrait faire? Bah attends, je vais le décrocher. Ouais, recroche là-dessus, on va se mettre ailleurs. Ouais, j'arrive. Je m'en doutais. Ouais. Allez, je m'en doutais. On est un peu en pente. Oh, c'est pas un problème. On va se mettre ailleurs. Ouais, laisse-la là pour l'instant, au pire. On va aller chercher le tracteur. Je te prends. Enfin, okay. Monte. J'arrive. On va aller voir ça après, on va régler ça. Toc. Hop, c'est parti. On va bien y arriver. On connaît pas trop le matériel encore, mais bon, ça va le faire. Tac. Je le prends ou tu le prends? Comme tu veux. Ouais, je vais le prendre. Je vais te laisser le petit C15. Hop, il est là. On va prendre le Renault. On n'a pas besoin de deux tracteurs. Hein. Alors, on va prendre le 155. Ouais, bah tu. Bah non, on m'entend pas. Ah, attends, j'ai la CB. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais. Tu peux reculer un peu, je vais repartir par là, ouais. C'est bien pratique la CB dans ces tracteurs. Surtout en moisson aussi. Merci. Bon, bah il marche. Un tracteur qui marche, déjà. Bon, il est pas tout neuf, mais bon, il marche. Oula. Pas trop l'habitude. La direction attire un peu. Allez, on est parti. Hop. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Bah, je pense que je vais décrocher la benne là et puis je vais t'aider pour la barre de. Pour le chariot de coupe. Je vais te le mettre ailleurs. Sinon, on va galérer. Bon, je vais décrocher ça. C'est parti. Hop! Bon. Tu m'aides à. Ah bah non, il m'entend pas. Attends. Ouais, tu vas m'aider à accrocher. Tu vas accrocher le chariot de coupe à mon tracteur. Quand je vais me mettre en position. Là, il m'entend plus. Hop. Ah, c'est bon, il m'a dit que c'était bon. Ah bah parfait. C'est bon. Allez. On va le bouger. Comment on pourrait le mettre ça? On va le mettre de l'autre sens, on va dire. Ah, derrière. J'ai failli frôler le petit séquin. Ouais, t'as la CB, tu m'entends? Ouais. Ouais, ok, parfait. Je vais essayer de te la mettre là. Ça devra aller, je pense. Ah bah, il m'entend plus du coup.
J'espère que ça ira. On va essayer. Tac. Hop, et là. C'est chiant les pommes dans ce machin. J'ai l'impression qu'elle a un problème d'hydraulique cette moisson. Attends, j'arrive. Ouais. Attends. Vas-y, normalement ça devrait aller. Enfin, je vais faire des signes. Attends, je vais lui dire quelque chose. Ouvre. Oh. Ouvre un peu ta porte. Putain, il m'entend pas, je crois. Monte là. Faut qu'il monte la barre de coupe. Je crois que c'est cette... Ça marche pas. Attends, je vais essayer de la retirer, le chariot de coupe. J'espère qu'on va rien abîmer. J'espère. Oula, oula, oula. Ça va frotter. Oh merde, mais c'est clair. C'est bon? Ah merde. Tu m'entends dans la CB? Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, décidément, je pense qu'on va changer de chariot parce que je crois qu'il est mort. Ou alors il y a un problème dessus. Ou alors c'est la barre de coupe. Mais j'espère que ça va pas nous coûter trop cher. Bon. Je te laisse commencer ou... Ouais, t'as l'air bien parti. T'oublies pas de l'ouvrir et tout. J'espère qu'il y aura du rendement. Ouais, pour le détourage et tout. Ouais. Tu détours le champ. 2-3 fois. Faudra que tu pousses la benne. Ouais, pas de soucis. J'arrive, j'étais en train d'étaler l'autre. Bon, sinon, il n'y a pas de problème, elle marche nickel, enfin, elle marche pour l'instant. La moisse batte. Bon, on va regarder ça, écoute. Ouais, allez, c'est parti. Attends, je vais accrocher ça, je vais dehors. Toc. Hop, hop, on monte la béquille, c'est parti. Allez. Bon, ça a l'air de marcher, je vois ça de loin. Ouais. Bon, bah, je te suis. N'hésite pas à ajuster le moulin et tout en hauteur. Hop. Bon, ouais, c'est nickel. Bon, soyez clément. On va être clément parce que c'est ça, c'est une de ses premières moissons. Mais je le vois bien. Franchement. Hop, on va faire un peu. Ta CB fonctionne? Ouais, je t'entends. Je passe tout droit ou je fais le tour, je tourne? Ouais, tu peux tourner si c'est mieux, mais comme tu veux. Je pense que couper le champ en deux serait mieux. Ouais, bah vas-y, c'est parti. Coupe-le bien. Allez hop, c'est parti. On va se mettre sur la rangée de poids derrière. On va se mettre là. C'est parti. Tiens, c'est ça que... Ah bah il m'entend pas, du coup j'ai plus aussi. Bon, ça a bien marché. J'espère qu'il y a du rendement. Je vais lui demander tout à l'heure. Je lui en demanderai. Bon, en tout cas, il fait très beau. Il a l'air assez beau. En tout cas, les premières moissons, mais ça c'est sûr. Même beaucoup plus. Malheureusement. C'est comme on peut. Hein. Comme le gars d'avant est malheureusement
Le monsieur qui était propriétaire est malheureusement décédé. Mais bon, j'ai repris sa ferme, franchement. Je l'ai acheté et j'adore ce matériel. Franchement, il est pas mal. Attends, je vais revenir dans la cible, il faut que je lui parle. Ouais, tu m'entends? Ouais, salut. Ouais, tu me diras, tu me foutras un coup de klaxon ou quelque chose quand tu seras plein. Ouais, t'inquiète. Par contre, tu feras gaffe, t'as tes gyros, ils n'ont pas besoin là. Attends, je retire. Ouais. Tu pourras les mettre si t'es plein aussi, ça peut faire un signe. Il y a l'air d'avoir du rendement, je pense, non? Ça pourrait être mieux, je te redirai ça tout à l'heure. Ouais, ok, je m'en doutais. En même temps, on le fait un peu tard. T'as, par contre, cette benne, elle est vraiment vieille. Je sais pas si on va la garder, elle bouge beaucoup. Hop. Ouais, aussi, il faudra que je te dise, je t'ai pas dit, mais il faudra que j'achète aussi un tracteur avec un chargeur. Ah, ça, ce serait pas mal, ça manque. Ouais. Parce que là, franchement, on n'a pas de bâtis de fourche ni rien, donc on peut pas accrocher de chargeur. Et on n'a pas de Manitou. Hein. Bon, déjà, je vais racheter un tracteur, je pense. Hein. Un Pour petit. une balle. Ouais, bah oui, ça peut toujours servir. Et puis... Enfin, ça sert beaucoup, mais. Parce que puis on louera peut-être un pulvérisateur parce qu'on n'en a pas. Mais bon, on n'est pas encore à l'or. C'est pas encore la saison. On va pas encore passer le pulvé. On verra après. Ouais. On commence doucement. Voilà. On va commencer les moissons déjà. Hop. Hop. Hop, on va m'améliorer un peu parce que je crois qu'il doit y avoir une bosse ou quelque chose, ça m'énerve. Hop, et on est reparti. En tout cas, attends, on va regarder. Le rendement de pain, il est super. Beaucoup de colle, je trouve. Allez, c'est parti. Hop. Bon, bah ça moissonne bien. On va presser tout de suite après parce que c'est vraiment embêtant. Bon, on va déjà faire ce petit carré là. Puis après, je pense. On va refaire une pause parce qu'il fait très chaud. Ouais, t'as pas trop chaud dans ton vieux machin? Si, un peu je crame, mais il fait 37 alors. Ouais, pour ça. S'il n'y a pas la clim, hein. Moi non plus, mais. C'est chaud. Bon, bah, il n'y a pas tellement de rendement que ça parce que Trémy n'est pas encore pleine. Pas une grosse moissonneuse. Je suis un peu déçu. C'est pas comme ça qu'on va gagner un peu d'argent. Là, on est sur prêt. On fait un bon prêt de, je crois, 250 000 euros pour les. Pour acheter la ferme, pour rembourser. Hein, t'es plein? Ouais, j'arrive. Vas-y, recule un peu. Tu m'entends? Normalement, je t'entends à la cible.
Lève ta coupe. Hop. Voilà. Parfait. Ça évite d'abîmer trop le matériel. Vas-y, recule encore. Mets-toi plus parallèle à la paille. C'est bon, ça vide. Ça vide bien? Parce que je vois pas trop le haut de la benne. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Putain, je crois que les amortisseurs ils sont morts là-dessus. La benne bouge dans tous les sens. Bon, bah ça vide bien le jeu. On va pouvoir mettre ça dans nos silos. C'est bon? Ok, pas de soucis. Allez, on incarne. C'est parti. On va aller incarner, on va monter à l'échelle de la mort pour savoir où on est dans le temps. Tac, attendu. Ah ouais, quand même. En effet. La mort est déjà pleine. Presque. Bon, alors on va regarder un peu le blé. Ouais, bon, on va faire gaffe pour redescendre, pas que je tombe. Hop. Tac. Et hop, et là, c'est parti. Bon, oh, bah, c'est pas mal tout ça. Hop. J'ai contrôlé tout l'aspect général de l'arme qui me paraissait un peu vieille, c'est vrai. Ouais, on est fait mieux, les gars. Et le vieux Renault, là. Increvable, c'est ça, avec ces tracteurs-là. Donc il n'y a aucun risque. Hop, et non. Bon, bah, c'est parti. Les moissons sont commencées. Enfin, le propriétaire d'avant avait déjà commencé les moissons. Mais là, on continue. Hein, parce que franchement, il a pris beaucoup de retard à cause de sa maladie. Tout, on ne pouvait plus rien faire vraiment. Hop, et là. Pendant ce temps-là, je pense que je vais aller faire un tour dans le C15. Hop, et là. Je vais un peu découvrir, parce que je découvre la région. On est en Belgique, donc on est en Belgique. Hop, et là. Personne, c'est bon. Franchement, c'est une belle région. Les personnes, on va aller voir un peu tout ça. J'ai pas eu le temps de voir les silos. La ferme. Ouais, tu m'entends toujours à la Sibi? Ouais. Ok, c'est parfait. On va se garer là. Ah oui, c'est des grandes bus. Ah, c'est bien pratique. Hop, on va regarder si... Ah, c'est des grands garages, en effet. Bon, je pense qu'on va aller éviter le blé qu'on a à la coopérative. Donc ce sera déjà pas mal. Donc, on a un autre petit tracteur là que j'ai pas vraiment regardé tout à l'heure. Un petit CAS, International 1455. Oh, c'est incroyable aussi, c'est machin. Donc une belle corne. Ça doit être une 18 tonnes à peu près celle-là. Ouais, elle est pas mal aussi. Elle est plus récente que l'autre déjà. Ça va le faire. Un petit temps de mort aussi. Alors on va regarder un peu le Fiat parce que... Le Fiat était vraiment... Dans un état, à mon avis, désastreux. Ah non! Autant pour moi. Il a été refait. Ah, ils ont refait plein de trucs dedans. C'est pour ça qu'il était là en réparation. J'ai cru qu'il était en panne. Ah ouais, non. Ça doit être un bon petit tracteur aussi.
En effet. Ah, franchement, il est parfait, donc il est pas mal. Donc après, hop, ouais, on pourra réinvestir un petit peu, mais pas pour l'instant. Une petite coccinée. Hop, bon, bah allez, c'est parti, on va aller revoir Benoît. Je pense qu'il doit être plein bientôt, alors c'est pas de le faire attendre, ça va pas être terrible. On va remonter notre sécurité. Tu m'entends? Ouais. Ouais. À mon avis, tu dois pas être. Tu dois être bientôt plein. J'arrive. Attention. C'est parti. Allez, on est parti. Il n'y a personne. C'est bon, on peut y aller. C'est parti, on va aller revoir notre petit tracteur et on va sûrement aller vider la coupée. Oh, mais ça avance bien, il me semble. Bah, allongé, toi. Moi, ce mode, c'est l'idée, mais bon, elle y va. Bon, attention, on va s'écarter, sinon, ça peut être dangereux. Chercher le tracteur, c'est parti. Hop, t'es là. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ok. Sur le retour, après, là, normalement, tu seras peut-être presque plein, donc tu mettras ta buse et je vais te vider en même temps que tu moissonnes, ça ira plus vite. Ouais, t'inquiète, c'est ce que je comptais. Ok, pas de soucis. Mais c'est du beau boulot. Quelle chaleur. Mais bon, vaut mieux qu'il fasse chaud. Sinon, on pourra pas moissonner après. Si vous pleuvez, on se plaindrait encore. Alors là, vaut mieux faire ça. Et là, on va se mettre là, à peu près. Oula. T'es plein? Ah, attends, viens. Allô? Ouais. Allô? T'es plein, non? Non, problème technique. Ah. Ah, c'est ça les vieilles machines. Ah, ça y est, je vide. Tu me klaxonnes hein, quand tu vois que ma benne a déborde un peu. Ok, merci. À tout à l'heure. Bon, on va aller vider ça à la copée direct. Je pense que ça sera mieux. On va pas stocker ça. De l'orge déjà bien avancé, vaut mieux pas. Allez hop. Alors, je connais pas trop le coin, mais bon, on va s'arranger. Hop. Hop, et là. C'est parti. Ah, le tracteur est à moi, là. Quand même une benne chargée de blé. Ah voilà, c'est là, c'est marqué avec. Ouais, ça doit être le coopératif qu'on m'a dit qui était bien. Ça payait bien, on va dire. Ah, ça doit être là. Ah, il faut une bascule. C'est peut-être un bureau ou quelque chose. Ouais, je pense que tu vas aller le dire au gars. Allez, hop. On va regarder combien on a déjà.
19 tonnes 592 de blé. Ouais, mais tu m'as, il m'a bien chargé. Allez voir, bonjour. Bonjour. Ah bah y a personne. Moi je pense que je pourrais vider. C'est pas grave. À mon avis, c'est le gars. Ah oui, il est là le gars. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, bon, pas de soucis. Il m'a dit que je pouvais vider, donc il m'a fait un signe. Allez, c'est parti. On va se mettre là-dedans. Normalement, ça devrait être bon. Allez, regardez ça, parce que je sais jamais. Pas mal. Allez, ça vide. Oh, ça bouge. Oh là là. Quel est le mortissier. Je crois que le bénin est mort. C'est pas bon pour nous, ça. Ça a l'air de bien vider encore. On va avancer un peu. Hop, attends, on va regarder le fond. Ah, c'est bon. Attends que ça revide. Hop. On va repousser. C'est bon. Alors attendez. Je retrouve. C'est le pain là. Ah, c'est là. Voilà. Faire attention à l'arbre. On est passé là-bas. Tac. Où est l'arbre? Moi j'ai failli m'en tirer. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, j'arrive. Je pense qu'il doit presque être plein, ou alors que t'as presque fini le côté là. Ah, t'es plein? Ouais. Ah mince. T'en arrives. Oh bah il te reste plus rien grand chose. Bon après ce petit carré là, on ira inaugurer un peu la maison et puis tu viendras voir un coup. Ouais. Non, ça vide, je pense. Ouais. Parfait. C'est parfait tout ça. Qu'est-ce que vous, citron? Ouais, vas-y, équilibre bien quand même, parce que, après, avec vu la remorque qu'on a, vaut mieux pas tenter de la surcharger non plus à des endroits. C'est bon? Ouais, ok, pas de soucis. Bon, je vais me mettre là, puis je vais l'attendre, et puis je vais le reprendre en séquence. On va aller voir dans la remorque ce qu'on a. Hein. Toujours bien. Oh, bah c'est bien chargé. Oui, ça ira. Hop, oh, bah ça a bien avancé. Franchement, on carbure. Hein. On a presque fait la moitié du champ. Faut que je suis allé là-dessus. On creuse. Faut attention que la moissonneuse ne se prenne pas feu là-dessus. Il y a une chance qu'on a. Je vais le suivre un peu, pardon. Ouais, franchement, on tombe bien quand même, c'est bien. Vu l'âge qu'il a là, on peut le moteur. Ah, elle tombe vachement bien. Normalement. Moi je pense qu'il va s'arrêter là. Hein. Ça sert à rien de continuer pour moi, à mon avis.
pour l'instant, on va faire une petite pause parce qu'il fait vraiment très chaud, on va boire un coup parce qu'on n'en peut plus de tout ce bordel. Oula, attention, je rigole. Bonne idée, je pense, dans mon tracteur. Parfait. Bon bah je pense que je vais devoir refaire un aller à la copée. Ouais, je pense qu'il va s'arrêter là. Attends, je vais aller le voir. Ah bah non, il est reparti. Parfait, il l'a mis là. Parfait. Ouais. Ouais. Ouais, bah viens, on va aller boire un petit coup parce que là on crève de chaud, on va crever. Ouais, prochaine moissonneuse, on prendra la clim parce que là. Ouais, bah oui, mais là, t'inquiète pas, celle-là, on va bientôt la changer. Voilà. On va investir. Bon, ouais, on va aller boire un coup. Je suis en train de cramer là, non, c'est bien. Ah, tu m'étonnes. C'est vrai que je laisserai la place après. Ouais, ça marche. Je vais essayer, tiens. Je vais cramer aussi. On va monter un peu. Et tente bien, des fois le moulin il a un peu de mal, mais tente bien quand même. Ouais, ok, donc pas de soucis. Peut-être un petit coup de graissage, je sais rien. Ouais, mais ça, c'est qu'un détail. Bon, allez, route. Allez, c'est parti. Tiens, c'est là, ah oui, c'est là ma maison. J'ai oublié que j'avais pas encore vu ma nouvelle maison. En plus. On va se garer là. C'est bien. Allez hop, on descend. Bon, on va s'asseoir là et puis voir un peu. Bon, sinon, t'en as un garage, t'auras pu la mettre de. Ouais, mais là, on s'en revoit après, donc c'est vite fait. Hop, on va s'asseoir. J'arrive, je vais chercher une bière en deux. Hop, c'est parti, tiens. Hop. Allez, hop. C'est parti.